À l'intention de tous mes frères guinéens, à l'intention de l'armée fédérale de Guinée, l'armée nationale, je vous adresse une inquiétude nationale. Aujourd'hui, on remarque dans ce pays qu'ils sont en train de procéder à la chasse aux sorcières. Je veux attirer votre attention. Aujourd'hui, c'est les autres. Demain, ça sera vous. Alpha, comme on le dit, est un rusé politique. On dit qu'il est le géant politique. Mais nous sommes tous rassurés que Alpha a échoué dans sa politique. Et si Alpha échoue aujourd'hui politiquement, Alpha va essayer de se restructurer et essayer de nous vaincre militairement. Vos frères en armes, vos amis en armes, on essaie de les déplacer un à un. Un à un. Et Alpha le fait de façon méthodique. On envoie les militaires, les hauts cadres militaires, les gens craignants, s'ils ne sont pas attachés militaires, on les envoie très loin de Conakry. Faites très attention. Vous êtes en train d'assister aux arrestations de vos frères. Incriminez vos frères. Accusez vos frères. Ils sont en train d'arrêter les bons citoyens guinéens, les interguinéens, ceux qui dévoilent aujourd'hui les impunités, ceux qui dénoncent aujourd'hui les injustices. On est en train de les arrêter un à un. Au vu et au su de tout le monde. Je répète, aujourd'hui c'est eux, demain c'est vous. Alpha aujourd'hui, il est conscient de ce qui s'est passé au temps de Conté. Il est conscient de ce qui s'est passé au temps de Sékou. Il est conscient de ce qui s'est passé au temps de Dadé. Parce qu'il a lui-même été l'orchestre destructeur de ces régimes. Alpha n'est pas bête. Alpha aujourd'hui, il est prêt aujourd'hui, il organise à s'auto-organiser. C'est-à-dire organiser lui-même un coup d'état militaire contre lui-même pour se protéger. Un coup d'état lui-même, il prépare lui-même les militaires qui vont prendre la relève pour continuer encore ses abus et les usurpations de pouvoir. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Alpha ne gère pas ce pays. Hein. Nous avons des gens autour de Alpha, les gens autour de Alpha, que nous appelons nos frères de la Basse-Côte, nos frères de la Haute-Guinée, nos frères de la Guinée forestière, nos frères qui ne veulent pas perdre ses privilèges. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes aujourd'hui, à force de ne pas perdre le pouvoir, ils sont en train d'abattre la relève nationale, d'abattre ceux qui vont prendre le pouvoir à leur place. Ils sont en train de procéder aujourd'hui minutieusement aux arrestations des uns et des autres pour leur fin interne, mais au détriment du peuple guinéen. Réveillez-vous et soyons tous avertis. Soyons tous avertis que Alpha aujourd'hui n'est pas bon pour ce pays. Alpha aujourd'hui a pris de l'âge. Alpha ne gère pas ce pays aujourd'hui. Peuple de Guinée, nous ne demandons pas à ceux qu'on se tue entre nous. Mais nous demandons tout juste qu'on fasse une prise de conscience. Savoir que le temps de Alpha est fini. Alpha a échoué. Alpha a échoué. Tout ce que Alpha a promis à Guinée n'a pas réussi. Et les gens qui se sont battus contre Alpha, aujourd'hui, vous savez, vous n'avez rien gagné. C'est aujourd'hui, ce n'est pas la victoire de la Haute-Guinée. Ce n'est pas la victoire du RPG. Tout ce que Alpha fait, c'est pour lui-même. C'est pour lui seul. Tout ce que Alpha fait, c'est pour lui seul. Alpha est prêt à trahir ses ennemis pour abattre ses ennemis. Alpha est prêt à travailler avec d'autres personnes. Vous qui vous êtes battu pour Alpha, qu'est-ce que vous avez gagné derrière Alpha? C'est vrai, il y a quelques personnes qui ont gagné, mais qu'est-ce que, en grande partie, 50% des gens qui sont derrière Alpha, qu'est-ce que vous avez gagné? Alpha n'a pas d'état d'âme. Alpha n'a pas d'amour pour un enfant. N'a pas d'amour d'une famille. Alpha n'a aucune inquiétude que d'abattre. Il n'a aucun regret. Alpha a de la haine. Il a perdu sa jeunesse. Plus de 45 ans, il lutte contre ceux. Sur tous les régimes de Guinée et pour lui-même. Faites tes attentions. On a échoué la Basse-Côte. Vous avez aujourd'hui nos frères, les Kassouri, les Kibou, les Kiridi, les Badi Haribo, qui n'ont pas encore compris qu'ils ont vendu l'image et l'intégrité, la dignité de notre sous-région. Plus jamais eux. Plus jamais eux. Ils n'accompagnent pas ce régime mortuaire, ce régime criminel. Ce régime aujourd'hui, purement, c'est-à-dire... Plutôt pour notre nation, qui sont en train de faire le semblant de générosité, des pillages de notre nation, voler dans les deniers publics, faire semblant qu'ils sont les gentils de ce pays. Comment ils sont devenus riches? Comment ils ont gagné l'argent qu'ils sont en train de distribuer aujourd'hui impunément au détriment de la nation? Faites très attention. Je vous lance un appel. Le changement est proche. Alpha est en état très critique. Mais ceux qui sont autour de Alpha ne veulent pas perdre le pouvoir.